Oui, oui, vous le reconnaissez, c'est bien Sadio Mané qui vient de tromper Manuel Neuer. Bon, il lui manque juste sa petite mèche blonde là. Mais avant de tout casser en Première Ligue avec Liverpool, Mané fracassait déjà le Bayern Munich en 2014. Comme quatre autres énormes talents du foot mondial, dont le monstre Haaland. C'est en Autriche, au Red Bull Salzbourg, qu'il a explosé. La frappe croisée! En 2014, Mané était déjà un tueur devant le but à Salzbourg. Ici, on reconnaît sa vitesse, qui donnait des cauchemars à Dante. Bah oui, bien sûr qu'il y a Péno là! Et cette fois, on retrouve sa qualité de dribble et de percussion qui donnait le tournis à Jérôme Boateng. Sadio Mané est arrivé au Red Bull Salzbourg en 2012. Il y a joué pendant 3 saisons et y a marqué plus de 30 buts. Après ça, il a rejoint Southampton où il a brillé pendant 2 ans. Jürgen Klopp l'a repéré, il l'a fait venir à Liverpool et le reste appartient à l'histoire. Erling Braut Haaland. Et la frappe croisée! Vous le saviez sans doute déjà, le Golden Boy 2020 s'est révélé à Salzbourg. Haaland y était déjà aussi puissant, aussi rapide, aussi bon de la tête, aussi terrifiant qu'il l'est aujourd'hui. En ce moment, le cyborg norvégien de 20 ans est monstrueux à Dortmund. C'est simple, il explose tous les records. Mais avant de terroriser les défenses de Bundesliga, c'est en Autriche qu'il montra à quel point il était fort. Il est arrivé en provenance de Molde en Norvège, il n'est resté qu'un an à Salzbourg, mais il en a profité pour marquer 29 buts en 27 matchs. Oui, oui, vous avez très bien entendu, ce mec n'est juste pas humain. Dayo Upamecano. Upamecano est sans doute l'un des défenseurs les plus courtisés de la planète. L'international français a impressionné la planète football lors du Final 8 de la Ligue des Champions. Face à l'Atlético, c'était un truc de fou. Non seulement il s'est montré infranchissable, mais le gars, il jouait limite comme un numéro 10. Carrément, il organisait toutes les attaques de Leipzig. Liverpool et le PSG, entre autres, lui font les yeux doux. Mais avant de devenir l'un des défenseurs les plus solides d'Allemagne, Dayo a aussi évolué pendant 2 saisons au Red Bull Salzbourg jusqu'en 2017. Naby Keita. Encore une pépite africaine du Red Bull Salzbourg qui a joué à Leipzig et à Liverpool. Patson Daka va peut-être suivre le même chemin que Keita et Mané du coup, non? Naby Keita évolue à Salzbourg de 2014 à 2016. Il y a montré toutes ses qualités, marquant notamment 16 buts lors de sa deuxième saison. Un total très élevé pour un milieu de terrain. Il a choqué Ibrahima Konaté, le talentueux défenseur central français qui a joué avec lui à Leipzig. Naby Keita, ce qui me choquait, c'était par rapport à son physique. Il n'était pas grand, pas costaud, mais techniquement, il avait un temps d'avance et même dans les passes et dans les duels, il était... Non, il me choquait. Dominik Szoboszlai. Bon, on vous voit les supporters d'Arsenal. Calmez-vous. On le sait que vous rêvez qu'il rejoigne votre club. Mais comme les fans du PSG, du Bayern ou de la Juventus qui courtisent aussi le Hongrois de 20 ans, ils vont devoir attendre. Parce que pour l'instant, Szoboszlai est à Salzbourg et il y est plutôt bien. Le meneur de jeu est arrivé en Autriche en 2017 et il continue d'y montrer tout son talent et son élégance. Oh, calme-toi, Haaland! Tu fais peur, Erling, là! Szoboszlai et Haaland sont super potes dans la vie. Et au vu de leur talent, ces deux anciens joueurs de Salzbourg pourraient, comme Mané avant eux, bientôt rentrer dans la course au Ballon d'Or. Voici donc 5 immenses talents qui ont été révélés au Red Bull Salzbourg. Aimeriez-vous qu'on vous parle de 5 autres grands talents révélés dans un autre club ?